Alors, c'est bien passé ce soir à Angers ? Oui, très bien. C'était très sympa. Qui êtes-vous ? qui êtes-vous d'abord ? Et ça, c'est un micro avec une petite écharpe. Voilà, c'est ça. C'est un petit micro nouvelle génération, c'est sans fil. Il a mis sa polaire. Ouais, il fait un peu froid. Il avait un peu froid, du coup, il s'est dit, bah, je vais m'habiller, quoi. D'accord. Là, bonsoir. Ça s'est bien passé, c'était cool ? Ouais. Ouais. Ça fait pas bizarre, je posais la question tout à l'heure à Ole Black, de faire... Par contre, t'as pas le droit de te foutre de ma gueule comme ça. T'as compris ce que j'ai compris? T'as compris quoi? Non, on peut pas te le dire. Fais partager les blagues. Bah, je sais pas, mais t'as entendu comme nous. Je sais pas, ce que j'ai dit. C'est pas bizarre, les blagues. Ah, ouais, les gens différents, là, les gens chelous. Ouais, bah les gens un peu comme toi, quoi. Écoute... Ok. Bon, ça c'est fait, hein, le racisme. Ouais. Alors ensuite. Donc la question c'était, c'est pas frustrant de jouer seulement 3 chansons au lieu de jouer un concert complet? Alors déjà on en a chanté 4. Non, c'est vrai que ça m'a coûté. Je vais reprendre le truc. Merci. Un peu. J'arrive. Vas-y, réponds. Non, 4, c'est vrai que c'est un peu court. C'est vrai qu'on avait bien envie d'en jouer un petit peu plus, mais bon, voilà, c'est agréable, proche du public. Non, c'était sympa. En mode acoustique, on n'a pas habitué, on n'en fait pas souvent, donc non, c'est bien. Vous étiez passé il n'y a pas longtemps à Angers, ça s'était bien passé aussi ? Ouais, totalement, ouais. Je crois me souvenir que la date était complète. Non, c'était très cool. C'était le lendemain des Victoires de la Musique, d'ailleurs. D'accord. Vous avez quel âge, déjà ? Moi, 25, et Nelly, 24. D'accord. Comme je disais tout à l'heure à ma collègue, ça fait pas bizarre d'avoir 24 ans. Les gens de votre âge, la plupart, ils sont quoi ? Ils sont en Master 2, ils font un doctorat. Vous avez une vie quand même particulière ? Vous êtes sur la route la plupart du temps ? C'est cool, quand même. C'est cool, ouais. Elle revient. Je repose la question, si t'es pas là. Bah, écoute, salut. Non, la question, c'était... Ah, mais filmez donc. David, qui s'en va. Sans... La meilleure interview du monde, quoi. Ouais, allez-y. Yes. C'est le stroboscope, quoi. Salut. Non, la question, c'était, vous êtes jeune. La plupart des gens de votre âge, en fait, ils sont encore dans les études ou commencent à entrer dans la vie active. Vous avez une vie plutôt cool. Vous avez de la chance d'être privilégié. On est très conscient du fait qu'on a de la chance et on est très 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 reconnaissant et on sait que c'est le rêve de tous les gamins qui aiment la musique d'avoir un groupe et de vendre quelques disques et d'être en tournée, et ça c'est vrai, on est trop contents pour de vrai. D'accord. Bon, du coup on va finir avec un... Tu veux dire un truc? T'as éternué ou t'as arrivé? C'est mon rire. Ok, c'est ton rire. Voilà, c'est ça. C'est génial, putain. Je le fais en classe, c'est encore plus marrant. On peut t'interviewer si tu veux. Vas-y. Je pense que tu peux carrément baser toute une carrière sur ce rire. Ouais, il y a des chances. Je pensais, enfin, ouais, bien sûr. Bref, un dernier mot. Un dernier mot, Nelly Wenzepri. Non, j'avais une blague, mais elle est pas très drôle. Vas-y, fais-la. Attention, danger. C'est vrai que c'était pas très très rigolo. Mais c'est... C'est un... C'est bleu. Non, mais t'es sérieux? Ouais. Ah, il est sérieux. Non, mais j'ai un rire qui est pire que ça, mais je le fais pas là parce que. C'est trop bien, j'adore. Bon, bah voilà, mais en tout cas, non, mais Angers c'est bien. Moi j'ai passé des vacances à Angers quand j'avais. C'est vrai, quand j'avais 12 ans. Et j'étais chez des potes qui faisaient un peu du cirque et qui faisaient du vélo. Je sais plus comment ça s'appelle, mais le vélo, il n'y a qu'une roue. Monocycle. Monocycle. J'étais amoureuse d'un garçon qui s'appelait Rémi. Danger, Rémi. D'accord. Si tu te souviens de moi, quand la voiture est partie, mon cœur était plein de tristesse. C'est vrai, en plus. Voilà, je t'aime. Ok. Bon, bah, salut Rémi Danger, hein.